L'annonce de l'interpellation, dans l'après-midi de samedi, de l'ex-commandant de la Wilaya 4 historique et membre fondateur du FFS, Lagdar Bouraga, a jeté les mois chez de nombreux Algériens et soulevé une vague d'indignation au sein de la famille révolutionnaire et de la classe politique qui ont exprimé leur solidarité avec cette figure de la révolution et dénoncé un acte arbitraire contre un opposant invétéré. Sur les réseaux sociaux. Les commentateurs sont nombreux à appréhender le basculement du pays dans la dictature par le durcissement de la répression contre toute voix discordante. Pour les pourfendeurs de la politique du chef d'état-major de l'Ampe, l'arrestation, à ce moment précis, d'un opposant de la trempe de l'Akdar Bouraga achève de dévoiler les intentions réelles du commandement de l'armée, à sa tête le général Gaïn Salah, au sujet du changement et du Irak. Mais la question qui demeure posée, jusqu'à la mise en ligne de cet article, et de savoir ce qui est reproché exactement à l'Akdar Bouraga. Sur cette question, c'est le silence total. Aucune réponse n'est venue, ni de la part des autorités, qui n'avaient pas encore réagi à cette information, ni même de la part de ses proches qui se sont contentés de confirmer l'arrestation. En l'absence d'éclaircissement et de communication officielle sur cette affaire. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cette arrestation, dont la plus plausible est celle renvoyant à de récentes déclarations publiques faites par l'impénitent Moudjaïd de la Wilaya 4, dans lesquelles celui-ci qualifiait l'armée de milice et accusait son chef, le général Gaïd Salah, d'être à la solde des mirats Arabes Unis. Accusation qui pourrait, si elle s'avérait juste, valoir à son auteur de lourdes peines.